chose. The first thing. Nous allons nous tenir debout. We are going to stand up. Nous allons dire merci à Dieu. And we'll say thank you to God. Dieu qui est avec nous dès le premier jour. God who is with us since the first day. Après ce qui s'est passé hier. After what happened yesterday. Nous devons lui dire merci. We must say thank you to tu him. Tu l'as fait seul, c'est vrai. You did it alone, it's true. Mais nous devons le faire d'une façon collective. But we must do it together. Amen. Amen. Prie. Pray. Continue à bénir le Seigneur. Continue blessing the Lord. Bénis-le pour chaque jour. Bless him for every day. Pour chaque témoignage. For each testimony. Pour chaque session de louange. Pour chaque session de louange. For each section of praises. Pour chaque enseignement. Pour chaque enseignement. For each teaching. Pour chaque miracle, for each miracle, pour chaque délivrance, for each deliverance, pour chaque guérison, for each healing, pour chaque restauration, for each restoration, pour chaque âme sauvée, for each soul saved, pour chaque âme restaurée, for each soul restored, pour chaque âme repentie, for each soul repented, chaque âme baptisée, for each soul baptized. Bénis-le, 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 bénis-le. Bless him, bless him. And quelques missionnaires et anciens vont venir prier ici. Some missionaries and elders will come and pray here. Donnez-leur des micros. Give them microphones. Vous restez en prière. Keep praying. Éternel notre Dieu, notre Père. Continue worship God. Nous ne cesserons de te dire merci. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour le premier jour. Merci, Seigneur éternel, pour cette heure précise. Merci pour chaque miracle que nous avons vu, nos mains ont touché. Merci pour chacune de tes interventions au milieu de nous. Reçois la louange et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Micro. À Dieu soit la gloire pour son grand amour dans mon âme noire. S'est levé le jour. J'ai
Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Depuis le premier jour jusqu'à ce jour, nous voyons tes œuvres. Nous contemplons ce que tu as fait. Nos oreilles entendent ce que tu as fait. Et nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous t'exaltons. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Nous te chantons. Reçois la louange. Reçois la gloire. Reçois l'exaltation, notre Père. Oh, rabaka, go, paga, la baga. Au siècle des siècles. Amen. Seigneur, c'est ta main. Seigneur, c'est toi qui as l'œuvre. Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Nous te rendons toute la gloire. Oh, la baga, oh, la baga. Oh, la baga, oh, la baga, oh, la baga. 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 Oh, la baga. Oh, rika, la baga. Oh, la baga, la baga. La baga. Raka, seke, bege. Rika, saka. Raka, ba. Rika, baga. Rika, sa. Raka, re. Riko, ba. Riko, ba. Riko, ba. Riko, ba. Riko, ba. Riko, ba. Rima, ba, 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 ba. Raka, seke, bebe. Raka, maka, jipa, kasa. Roko seke baga hida, rika sa rekeme, braka sa kabaka, roko baka baba, baba baki baka kimekese, baba baki baka kimekese, baba baki baka kimekese, raya baka reke seke baka tidaka, rika re 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 re, 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 reka re baka baba baba baba. Éternel notre Dieu, tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tes œuvres sont grandes. Tes œuvres sont contemplables. Tu as commencé depuis le début jusqu'à hier, Seigneur. J'ai vu tes œuvres. J'ai vu tes œuvres, j'ai vu tes délivrances, j'ai vu tes guérisons, j'ai été vivement touché. Seigneur, 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 tu n'as point changé, ô éternel des armées, tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Tu avais agi en Palestine et tu agis encore ici à Tiekoa. Que toute la gloire te revienne.
Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te célébrons, Seigneur, pour les grands miracles, les délivrances, les guérisons, les prodiges que tu fais ici depuis le début. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, parce que cela est une évidence que tu es vraiment ici. Oh, notre Dieu, notre Père, merci beaucoup, parce que ta main agit puissamment dans nos vies depuis que nous sommes ici jusqu'à ce jour. Chaque jour est une réalité, Seigneur. Chaque jour, nous te touchons. Chaque jour, Seigneur, tu descends avec nous. Chaque jour, tu produis de grandes choses avec nous. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Nous te rendons hommage. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te rendons hommage. Oh Père, merci infiniment. Merci infiniment. Parce que depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu manifestes ta puissance, Père. Oh Père, à travers la guérison, à travers les miracles, à travers les délivrances, à travers les bénédictions. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons pour chaque session de louange. Nous te bénissons, oh Dieu, pour chaque message. Nous te bénissons pour chaque jour. Oh Dieu, merci infiniment. Merci infiniment. Tu mérites la gloire. Sois exalté, papa. Sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Tu es éternel. Tu es Jésus. Tu es Yahweh, tu es notre Dieu, tu es éternel. Nous avons entendu parler de toi, tu es Yahweh, tu es notre Dieu. Tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu demeures le même, tu es Yahweh, tu es éternel, tu es celui qui est, tu es Yahweh, tu es Jésus. Nos oreilles ont entendu, nos yeux ont vu, tu es éternel. Notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ton nom est magnifique dans les nations, que ton nom est magnifique à Tiekoa, que tes œuvres, oh Seigneur, tes œuvres si grandes et merveilleuses, oh que tu produis chaque jour, Seigneur, tu es grand, tu es élevé, tu es béni. Tu n'es pas seulement descendu jusqu'à nous, mais tu nous accordes le privilège d'être les témoins privilégiés de tes miracles, de ton œuvre, de tes grandes œuvres admirables parmi nous, des témoins privilégiés. Depuis le premier jour de cette croisade jusqu'à cette heure,
Tu n'as cessé de nous émerveiller. Tu n'as cessé de nous étonner. Tu n'as cessé de nous surprendre, Seigneur. Tu n'as cessé de nous bénir. Éternel, loué, sois exalté, sois Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons. Tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne d'exaltation. Tu es digne d'adoration. Toi qui règnes au siècle des siècles. Que l'honneur, la louange, la gloire te soient rendus. Amen. Père notre Dieu, nous te bénissons. Nous te célébrons. Toi qui es descendu au milieu de ton peuple. Toi qui es descendu. Pour nous faire du bien, Seigneur. Nous avons touché, Seigneur, la guérison divine. Alléluia. Oui, Seigneur, nous avons touché la guérison divine. Les sourds entendent, les paralytiques ont marché. La parole est libérée. Avec puissance, Seigneur, les âmes sont gagnées. Oh, Seigneur, nous sommes édifiés. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Oh, Seigneur, toi qui règnes. Sois exalté, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre roi. Nous voulons t'exalter, Seigneur Jésus-Christ. Parce que depuis le premier jour de cette croisade jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu as été avec nous. Tu nous as conduits sur la route, Seigneur, dans les avions. Tu as été présent pour protéger, pour garder et pour nous garder, Seigneur, ici. Sauf nous te bénissons pour les milliers de frères chaque jour qui ont été sur la route que tu as protégé, pour les dizaines de frères qui sont venus de l'extérieur que tu as protégé. Nous n'avons eu aucune mauvaise nouvelle. Nous voulons t'exalter, te célébrer, Seigneur. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Tu es tout puissant. Depuis le début, tu es avec nous, Seigneur. Tu nous as délivrés. Tu nous as guéris. Oh, Dieu tout-puissant. Nous avons vu. Nous avons attendu. Nous avons touché. Tu es réel, Seigneur. Dieu tout-puissant, tu es réel. Tu es réel. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te célébrons. Nous t'exaltons, toi qui es assis sur le trône. Tu as démontré ta toute puissance. Tu as montré que Satan n'est rien. Tu as montré que les démons ne sont rien. Par les miracles, les prodiges, les signes, les résurrections, les paralytiques qui ont marché, les sourds qui entendent, les malades guéris. Les restaurations, nous voyons ta miséricorde, ta bonté, ta grâce que tu as manifestée avec nous, Seigneur, avec ton peuple. Oh Père, nous sommes heureux, nous sommes contents de t'appartenir. Tu apportes la joie, tu apportes l'allégresse et les vies sont restaurées. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la louange. Reçois la louange, toi qui es assis sur le trône, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, tu as promis que tu serais avec nous. Seigneur, effectivement, tu es là. Nous t'avons touché. Nous t'avons vu. Nous t'avons expérimenté. Nous sentons ta présence. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Parce que les aveugles voient. Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Ça se passe ici à Tiekoua. Tu as quitté ton trône. Tu as quitté ton trône. Tu es descendu parmi nous. Ici à Tiekoua. Tu es venu nous faire du bien. Père, merci beaucoup. Nous te donnons tout la gloire. Nous te donnons tout l'honneur. Nous te donnons l'exaltation, la magnificence, la richesse, l'honneur. À toi la gloire. Seigneur, toi seul mérite d'être adoré. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te louons, notre Dieu. Nous te bénissons. Ô Père éternel,
toi qui as fait des merveilles dans notre vie. Reçois l'hommage, reçois la louange. Béni soit ton Saint-Nom pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur, qui se renouvelle chaque jour pour nous. Béni soit ton nom pour les guérisons. Béni soit ton nom pour les délivrances. Béni soit ton nom pour le salut que tu fais entrer dans nos familles et dans cette nation, Seigneur. Ô Éternel, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te disons toute notre reconnaissance pour ce que tu as fait au milieu de nous, pour que ce que tu as fait dans la nation. Père, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté. Au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Ta parole est vraie. Tes promesses sont vraies. Ton œuvre est parfaite. Ton œuvre est parfaite. Ton œuvre est parfaite. Tes promesses sont sûres. Nos pauvres peuvent se confier en toi. Nos pauvres peuvent se confier en toi. Nos malheureux peuvent se confier en toi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu nous as donné ce programme comme un don de ta part. Comme un don de ta part. As a gift pour te révéler à nous, to reveal pour to nous rendre utile dans tes mains. Sois béni, sois loué pour chaque exhortation, pour chaque témoignage, pour chaque guérison, pour chaque âme convertie, pour chaque jeune et pour chaque baptême. Oh Père, sois béni. Sois béni pour chaque signe. Sois béni pour chaque prodige. Sois béni pour chaque miracle. Que ton nom soit élevé. Qu'il soit exalté. Oh Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Acclamons Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Avec des grands cris de victoire et des cris de joie. Wish us of joy and victory. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclame Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Acclame Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Acclame Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Avec des cris de victoire. Wish us of victory. Des cris de victoire. Des cris d'action de grâce. Shouts of thanksgiving. Des cris d'action de grâce. Shouts of thanksgiving. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Prions en langue. Let us pray in tongues. Kerebakase, kerebaka, rekabakase, rebakase ka, rebakase karabakase, karabakase ka, rolokese karabakase. Keria, 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 Keria. Goriska la bakaseka, ora 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 bakaseka. Asseyons-nous. Please sit down. Parce que tu es sage, parce que tu es sage. Et je suis content de toi, je suis content de toi, je suis content de toi. Je te lèverai encore davantage, je te lèverai encore davantage. Vous verrez de plus grandes choses. Je suis à l'œuvre. Je suis le seul. C'est moi qui règne. Vous m'avez donné la première place.
et je continuerai de faire de plus grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vous êtes mon peuple, vous êtes mon peuple. Je vous ai choisi. Vous êtes mon peuple. Vous êtes un peuple acquis, une nation sainte. Je vous aime, je vous aime. Vous êtes mon peuple, vous êtes mon peuple. Je vous aime, je suis avec vous, mon peuple. Je suis dans la joie. Je reçois vos remerciements et votre adoration. J'en ferai encore de plus grands. De plus grands signes. Amen. Lis pour nous Josué 11, 18 à 21. Read for us Joshua 11, verse 18 to 21. Josué 11, 18 à 21. Joshua 11, 18 to 21. Gloire à Dieu. Josué chapitre 11, verset 18 à 21. La guerre que tint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leur ville. Amen. Joshua chapter 11, reading from verse 18 to verse 21. Joshua waged war against all these kings for a long time. Except for the Hivites living in Gibeon, not one city made a treaty of peace with the Israelites, who took them all in battle. For it was the Lord himself who hardened their hearts to wage war against Israel, so that he might destroy them totally, exterminating them without mercy, as the Lord had commanded Moses. At that time, Joshua went and destroyed the Anakites from the hill country, from Hebron, Derbe, and Anab, from all the hill country of Judah, and from all the hill country of Israel. Joshua totally destroyed them and their towns. Amen. Alleluia. Amen. Cette parole est un encouragement. This word is à continuer la bataille. Encouragement to continue the battle.
Dieu avait promis aux enfants d'Israël de leur donner la terre promise, le pays de Canaan. God promised to the children of Israel the promised land, the Canaan land. C'est une contrée qui était habitée. It was a country which was dwelt by people. Et il fallait chasser. And they were to cast, out, to drive out the inhabitants. Qui étaient plus armés même que les enfants d'Israël. Who was stronger, more armed than the children of Israel. Israël sortait de l'esclavage. Israel was getting out of slavery. Donc, logiquement, so logically, c'était une armée faible. It was a weak army. Et Dieu était avec eux. But God was with them. Ils savaient très bien que Dieu leur avait promis la terre promise. They knew very well that God promised the promised land to them. C'est une promesse que Dieu avait révisée, répétée plusieurs fois. It was a promise that God repeated, revised many times. Tous les enfants d'Israël savaient que Dieu a déjà donné la victoire à Israël. All the children of Israel was aware that God had already given the victory to Israel. Donc logiquement, ça devait être facile. So normally, it should be easy. Si Dieu te dit, prends tel territoire. If God tells you, take this territory. Tu dois déjà comprendre que dès que tu vas mettre ton pied, tu vas poser ton pied, l'ennemi va disparaître. You must already understand that as soon as you will put your leg, the enemy will disappear. Mais ça n'a pas été le cas. But it was not the case. Les choses ne sont pas arrivées comme elles arrivent souvent dans l'imagination des hommes. Things don't happen as it used to happen in the imagination of men. Si Dieu te dit, je suis avec toi. If God tells you, I am with you. Va prendre tel territoire. Go and take over this country. Tu es déjà rassuré. You are already assured. Dès qu'ils vont te voir. That as soon as they will see you. Tu te dis que dès que l'ennemi va te voir. You tell yourself, as soon as the enemy will see you. S'enfuir, il va s'enfuir. He will flee. Ou bien il va tomber, la terre va s'ouvrir, il entre dans la terre. Or he will fall, the earth will open, and he will enter inside. Mais les plans de Dieu. But the plans of God. Sont reliés à la vision de l'éternité. I linked to the vision of eternity. Ce que nous faisons ici à Tsekwa. What we are doing here in Tsekwa. Ne se limite pas dans le monde, les choses du monde physique. Are not limited in the physical world. Ça va dans le monde, dans le domaine de l'éternité, dans la vision de l'éternité. They go into the vision of eternity. Dieu utilise les batailles. God uses the battles pour se glorifier. To glorify himself. Et pour nous fortifier. And to strengthen us. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés. He has saved us. Qui étions-nous? Who were us? C'était des esclaves. We were slaves. Nous étions des esclaves. We were slaves. La Bible dit que nous étions des esclaves du diable parce qu'on avait peur de la mort. The Bible said that we were slaves of the devil because we were scared of death. Il faut essayer de regarder les cahiers de brisement des liens. Try to look into the copybooks for the breaking of evil ties. Les gens cherchaient quoi? Chez les marabouts. You will see what people were seeking in the marabout, the witch doctors. Chez les féticheurs. To the witch doctors. La protection. Protection. Ils ne veulent pas mourir. They don't want to die. Ils ont peur de la mort. They are afraid of dying. Et se soumettent au diable. And they submit themselves et to the devil. Et tout ce que le diable leur demande, ils font. And all that the devil asks them, they do it. Lis à nouveau. Read again. Lis le verset 18. Verse 18. La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. La guerre the war contre les rois against, que Dieu avait déjà soumis. Against the people that God had already submitted. Que Dieu avait déjà maudit. That God had already cursed. En élevant Israël. By rising up Israel. Mais Dieu, le même Dieu.
But the same God a bien voulu wanted que ces guerres durent dans le temps. This was to last in the time. Lis encore. La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Alléluia. Amen. Continue. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël. Personne n'a dit, Israël est béni par l'Éternel, fuyons, fuyons. No one said, Israel is blessed by the Eternal, let us flee. Au contraire. On the contrary. Ils ont dit, voilà les gens que Dieu aime, les voilà they qui said, viennent. These are people God loves. Allons les combattre, allons les combattre. Let's go and fight against them. Mon ami. My friends. Il y a les combats. There are fights, there are battles. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le salut parfait n'exclut pas les combats spirituels. Perfect salvation does not exclude the spiritual warfare. Il y a des combats. There are wars. Des combats pour sortir de l'Égypte. There are battles to get out of Egypt. Des combats pour traverser la mer Rouge. The battles to cross. Des combats the Red Sea. Pour marcher dans le désert. The battles to walk into the wilderness. Des combats contre la faim, contre la soif. Battles against thirst and against hunger. Des combats. Des combats contre les Amalécites. Battle against Amalekites. Ceux qui veulent te barrer la route. Those who want to block your way. Les combats contre les Amoriens. Battles against Amorites. Les combats contre les Jébusiens. Battle against Jebusites. Etc. Cetera, et cetera. And so on and so. Et Dieu te conduit. Dieu nous conduit. And God is leading you. He's leading combat us. En combat. From battle to battle. Et de victoire en victoire. From victories to victories. Et excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Josué Joshua a pris tout son héritage took all his inheritance en combattant. While by fighting. Si je proclame say, proclaim que c'est un combattant that it's a true battle, que je vais posséder mon héritage. That I will possess my heritage. Josué pris tout en combattant. Joshua took everything by fighting. Avant de continuer, lis Romains 15, verset 4. Before going on, read Romans 15, verse 4. Romains, chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romans chapter 15, reading verse 4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and the encouragement of the scriptures, we might have hope. Amen. Amen. Read for us Exodus 9, verse 15 and 16. Exode 9, 15 à 16. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais. Lis le verset qui avance pour que ce soit bien compris. Exode 9, verset 14. À partir du verset 14. Car cette fois. Je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur. C'est Dieu qui parle à Pharaon. It's God speaking to Pharaoh. Contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais... je t'ai laissé subsister. Dieu laisse nos ennemis subsister. God leave our enemies alive.
afin que tu vois ma puissance. Afin qu'ils voient la puissance de Dieu. So that they may see God's power. Et que l'on publie mon nom par toute la terre. Et que le nom du Seigneur soit publié sur toute la terre. So that the name of the Lord should be published on all the earth. Dieu peut... Oui, continue. C'est fini. C'est fini, amen. Dieu peut frapper tous les esprits qu'on combat là en une seule minute. God can strike all the spirits we are fighting against in only 1 minute. Il va gagner quoi? What will he win? Mais s'il laisse les esprits attaquer les faibles comme nous. But if he allows the spirit attack the weak like us. Et quand ils arrivent. And when they arrive. Au nom de Jésus, bam, ils tombent. You know, in the name of Jesus, bam, and they fall down. 10 autres viennent. 10 of us come. Nous sommes là, nous ne sommes rien. We are nothing. Des vases de terre. Before vos pam pam pam. On dit hey, ça c'est quoi ça? On dit Jésus, c'est Jésus avec eux. On dit, qui est Jésus? What is this? Jesus is with them. Who is Jesus? C'est ce que Dieu veut. It's what God wants. Ne te plains pas qu'il y a beaucoup de combats depuis que tu as cru tu combats trop. Do not complain that there are a lot of battles. Since you have believed, there are so many battles. Dieu s'en glorifie. God glorifies himself in them. Redis ce qu'il a dit à Pharaon. Je pouvais te frapper, tu meurs une fois, mais tu n'allais pas connaître ma gloire. He told Pharaoh, I could have stricken you. Je veux qu'en te frappant, que les nations sachent que Jésus, et c'est lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon. He says, I want by striking you that all the nation knows my name. And he was the same who were hardening Pharaoh's heart. Lis encore l'histoire de Pharaon. Read again. Écoutez. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y aura un coup fatal. It means that we will have a dead strike. Ne pense pas que Dieu est en train de jouer. Don't think that God is joking. Il laisse pour que l'ennemi découvre la grandeur. He allows so that the enemy discover his greatness. Mais quand le temps de frapper fatalement arrive, strike for death dans la vie de chacun, arrive in the lives of everyone. Il le fait. He does it. C'est comme dans la vie de nous tous. It's like in the lives of each of us. Continue. Afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister. Je t'ai laissé subsister. I left you alive. Afin que tu vois ma puissance. Afin que tu vois ma puissance. So that you may see my power. Je laisse subsister. God, leave the enemies. Tes ennemis. Afin qu'ils voient sa puissance. So that they may see his power. Et ils vont la voir. And they will see it. Ils l'ont même déjà vu. They even have already seen it. Ils l'ont déjà vu. They have seen it already. Quand ils viennent à midi. When they came on midday, Jésus est là. Jesus is ils there. Viennent à minuit. They came Jésus in midnight. Jesus is there. Matin, they Jésus came in là. The morning. Jesus is there. Ils commencent à bien regarder. They start watching well. Qu'il s'agit de quoi? What is it about? Les hommes disaient. Men quel genre d'homme est celui-ci? C'est qui même? Who is this one? Il parle la mer. He's talking. Mais pour que les gens découvrent qu'il y a sur la terre un homme qui peut commander la mer. For people to discover that there is on earth someone who can command sea. Il faut que Dieu laisse d'abord la mer s'agiter. God must first of all allow the sea to shake. Et qu'il y ait un certain peuple qui appelle au secours celui qui parle à la mer. And that we have a people who is calling upon God to rescue, and that the man spoke to the sea. Et parce que les choses s'étaient passées de cette manière, and because things happened nous, this way, nous connaissons l'histoire aujourd'hui. We know the story today. Le Saint-Esprit a écrit ça. The Holy Spirit wrote it. Dans Romains 15:4, il est dit, ces choses ont été écrites
pour nous servir d'exemple, pour notre instruction. Dieu veut enseigner à travers tous ces combats spirituels. In Romans 15:4, it's written that all those things happen for our instruction. God wants to teach his people the spiritual warfare. Reviens dans Josué. Let's go back in Joshua. Lise le verset 19. Read verse 19. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. C'est ce que nous constatons. Chaque démon dit, je ne pars pas. It's what we notice. Each demon say, I don't want to go. Chaque démon dit, je ne pars pas. Each demon say, I don't want to leave. Et finalement, but finally, il fuit, il dit, je m'en vais. They flee and they say, I'm leaving. Ce que Dieu veut. It's what God wants. Acclamons pour lui. Let us clap for him. Lis à nouveau. Read again. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël. Ce n'est même pas une histoire de paix. It's not even a matter of peace. Il n'y aura pas de négociation. They will have no negotiation. L'ennemi doit partir. The enemy must leave. L'ennemi doit partir. The enemy must leave. S'il résiste, il sera écrasé. If he resists, he will be crushed down. Dieu ne perd jamais de bataille. God never lose a battle. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Le Dieu qui t'a sauvé. The God who has saved you. Dans ta famille comme les prémices. In your family as the firstborn. Il est capable de te protéger dans he's la foi. He's able to protect you in faith. De te donner la victoire sur les tentations. To give you victory on temptations. Tu vas vaincre la séduction. You will overcome seduction, deception. Tu vas vaincre l'adultère. You will overcome adultery. Tu vas vaincre la masturbation. You will overcome masturbation. Tu vas vaincre la fornication. You will overcome fornication. Et les peuples vont se poser la question. And people will ask themselves. Ça c'est quoi? What is this? Qui est derrière ceci? Who is behind this one? Et les sages leur diront. And the wise men will tell them. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un derrière eux. It's not like there is someone behind them. Il y a quelqu'un en eux. There is someone in them. En eux. In them. Et c'est ça qui rend notre travail difficile. And this is hardening our work. Il est en eux. He is in them. Il n'est pas derrière. He is not behind. Il n'est pas devant. He is not before. Il habite en eux. He dwells in them. Il les rend fort. He makes them strong. Il les rend persévérant. He makes them persevering. Ils ne se découragent jamais. They never get disappointed. Ils sont là. Ils sont là. They are there. They are there. They are there. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Continue. Go on. Excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Ils les prirent toutes en combattant. They captured. They coached them, all of them, while fighting. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisît, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Dieu travaille. God is working. Pour façonner nos sentiments. To shape our feelings. Quand tu es devant la rébellion des démons. When you are before the rebellion of demons. Tu commences à recevoir la colère de Dieu en toi. You start receiving God's anger in you. Au début, nous ne connaissons pas la colère de Dieu. In the beginning, we didn't know the anger of God. On joue avec le péché. We play, we joke with sins. On combat. We fight. Sans engagement réel. Without true commitment. C'est quand l'ennemi s'obstine, quand il s'entête. But when the enemy is resisting. Tu peux sentir. You can feel. Que il y a une colère en toi qui ne t'habitait pas depuis que tu es né. That there is an anger in you that you didn't know since you were born. Et quand tu dis à un démon, va-t'en. And when you tell a demon, go away. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui lui parlait.
Ça devient comme si c'est Dieu lui-même qui lui parle. It becomes like it's God himself speaking. Parce que c'est sa colère qu'il a déposée en nous. Because it's his anger that he has dropped in us. Et c'est une vérité. And it's a truth. Dieu avait permis. God allowed. Que les peuples s'obstinent. That people resist. They resist. Dit, oh, même quand Israël dit que pardon. Even when Israel said, please. Je veux passer. Je ne veux même pas boire l'eau. Je ne veux rien toucher. I just want to pass by. I won't drink your water. I won't touch anything. Permettez-nous de passer seulement. Just allow us to cross your land. Pendant qu'ils sont en train de supplier, ils ont déjà formé l'armée. Allons les battre. While they are pleading, they were pleading. They have already placed an army for the battle. Dieu fortifie Israël. God strengthen Israel. Et Israël frappe. And Israel strikes. Homme, femme, enfant. Man, woman, and child. All the flocks, the cattle, everything burnt. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Acclame pour Dieu. Clap for God. Dis Seigneur. Say Lord. Pardonne mes murmures. Forgive my murmurings. Pardonne mes découragements. Forgive my discouragement. Tu veux. You want. Que l'ennemi s'obstine. The enemy to resist. Afin que je puisse le combattre so sans pitié, sans miséricorde. I may fight him without mercy and compassion. Tu veux que je découvre la méchanceté des méchants. You want me to discover the wickedness of wicked people. L'entêtement. That the resistance des impies or the unbeliefs me fait découvrir la méchanceté des méchants. Make me discover the wickedness of the weak people. Lis à nouveau. L'Éternel avait permis que ces nations. The Lord allowed these nations. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël. Pour quel but? Afin so that qu'Israël les dévoie par interdit. Que Israël les dévoie par interdit. That Israel destroy them totally. Sans qu'il y eut pour eux de miséricorde. Sans miséricorde. With no mercy. Là, quand c'est comme ça, tu sais que tu es réellement devant le diable lui-même. When it's like this, you know that you are truly before the devil himself. Et tu ne peux plus dire que si je voyais le diable vraiment, and you can no more say that if I could see the devil, I would fight. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Donc ce n'est pas une erreur. So it's not a mistake. Dieu a un plan. God has a plan. Dieu peut donner la victoire en une seconde. God can give the victory. God can give the victory in 1 second. Et tous les démons finissent. On n'a plus rien. On dort seulement. On mange. On dort. And all of the demons, il n'y a plus d'ennemi. Are over. There's no battles. We sleep. We drink. We eat. There's no more enemy. Mais nous n'aurons pas sa ressemblance. But we will not have his likeness. Jésus a dit. Jesus said. Mon père travaille. My father is at work. C'est pourquoi je travaille. This is why I am working. Notre Dieu, notre Père s'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est-à-dire, il a plusieurs armées. Names is the Eternal of armies of the fight of the battles. It means he has many armies. Il est le Dieu des combats. He is the God of the battles. Quand tu es sauvé, when you are saved, tu dois te considérer comme un soldat enrôlé. You must consider yourself as a soldier and a tous les élus soldier, all the elected sont des combattants. Are fighters, Dieu are même. Warriors. Tenons-nous debout. Let us stand up. Dis à Dieu, j'accepte ton plan de travail. I accept your plan of work. Je ne veux plus me plaindre qu'il y a beaucoup de combats. I will no more complain about the fact that there are many battles. Je comprends. I understand. Que même les résistances. That even the resistances. Sont pour notre gloire. Are for our glory. Je comprends. Say I understand. Que même quand l'ennemi s'entête. That even when the enemy is resisting. C'est pour son grand malheur. It's for his great curse. Tu
Tu fais tomber l'adversaire dans tes pièges. You make my adversary fall into your tricks. Continue à prier. Keep praying. Continue à prier. Keep praying. Dis merci, Seigneur. Thank you, Lord. Asseyez-vous. Sit down. Est-ce que Naomi, il y a une Naomi est là qui vient du Togo. Where is the sister? Naomi, is she here? She comes from Togo. Tu es là, dis, je suis là. If you are here, just say I'm here. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a dit vous avez été acheté sans argent? Raconte ça aux frères et puis ils vont comprendre à quel what niveau nous sommes. What happened when we said you have been bought without money? Tell it to brothers so that they may know at which level we are. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et c'est pas que c'est vendredi ou bien c'est samedi. Raconte d'abord l'histoire des 50 francs avant d'arriver là. Bien pour qu'on comprenne. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et j'ai eu une tante. I had a tante, an aunt. Une petite soeur de mon papa. A junior sister of my father. Et je suis chez la grande soeur de mon papa. Donc ça fait deux tantes. I have two aunts. Un jour, la grande soeur m'a envoyé. Un jour, la grande sœur m'a envoyé d'aller prendre quelque chose au magasin. Nous sommes au marché. One day, my senior sister sent me to take something in our shop, in the market. À l'âge de 8 ans. I was 8. Et je partais pour aller au magasin. Là, je suis en train de s'amuser sur le chemin. On my way to the shop, I was playing on the road. Et la grande sœur même est venue me raconter là où je suis en train de me s'amuser. And my senior sister came and met me the place I was playing. Et comme elle voulait me frapper là, je suis partie. As she wanted to beat me, I just flee. Donc lui-même, elle est partie au magasin pour prendre la chose. She went herself to the shop and took the thing. Je suis arrivée chez lui. Et elle m'a renvoyé de partir. Si je viens chez lui, elle va me frapper. When I went back home, she asked me to go out. Otherwise, she would have beaten me. Donc vers 16 heures comme ça, j'ai faim. So vers 16 hours, I was hungry. Et la petite tante est venue avec 50 francs dans la main. And the smallest aunt was coming with 50 francs. Elle a laissé 50 francs par terre. She threw it on the earth. Elle a posé ses deux pieds sur mes pieds. And she laid her two legs on my legs. Elle regarde mes yeux. And she said, look at my eyes. Et un peu de temps, il est reparti. And she left. À partir de ce jour, from this day on, plus de 25 ans, more than 25 years. C'est le lieu là je me retrouve. It's at this place I found myself. Donc le vendredi ou bien le samedi, on est en train de prier le pasteur. On n'a pas compris. Que veut dire c'est le lieu là où je me trouve? Plus de 25 ans. Tu veux dire que quoi? Le lieu où la petite tante a laissé 50 francs par terre. The place my smallest aunt
put 550 francs on earth. Tout le jour, la nuit. Every day in the night. Si je rêve. When I'm dreaming. C'est le lieu là, là où il a laissé 50 francs par terre, j'ai pris. It's the place you throw the. Chaque nuit, tu te retrouves toujours là où il y avait 50 francs, où tu avais ramassé 50 francs. So you find yourself every time the place you collected the 50 francs. Effectivement, je suis devenue esclave de la de ma tante là. And truly, I became a slave of his aunt. Donc le jour là qu'on est en train de prier, le pasteur Meunier dit que c'est gratuitement nous a vendu. The day we were praying, and Pastor Meunier said, "It's for free that you were sold." Avec 50 francs dans la main. Someone came with 50 francs in the hand. Et elle me montre le 50 francs. She came. She came. Quand j'ai donné le sujet de prière, j'ai dit que vous avez été vendu gratuitement. Quand le pasteur a dit que nous, c'est gratuitement qu'on nous a vendu. When the pastor said that you have been sold for free. Ma tante est venue. My aunt came. 50 francs dans la with main. 50 francs in her hands. Un animal aussi. With an animal. Et un autre jour, il m'a donné le sang dans la corne et j'ai bu ça dans le rêve, dans le même lieu. And another day, she gave me blood in her own and I drank it in the same place. Elle est venue avec 50 francs dans la main et la corne plus un animal. And the own and the animal. Et je suis en train de vomir le sang dans la corne. And I was vomiting the blood into the own. Amen. Amen. Puis elle est partie. Et puis elle est partie. And she left. Non, c'était quel animal? Which animal c'est vrai, le mouton. C'est un animal comme ça, mais je n'ai pas vu. Ok. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Non, va t'asseoir. Ça veut dire que le combat n'est pas fini. It means the battle is not finished. Le Saint-Esprit nous a conduits. The Holy Spirit has led us. De prier. To pray. En disant à l'ennemi. Telling the enemy. Que tu n'as rien donné même. Quand tu m'achetais, tu n'as rien donné, donc je sors, je m'en vais. You gave nothing while you were buying me, so I get out. Et beaucoup de personnes ont été délivrées ce jour-là. And many people were delivered this day. Certains, dès qu'on a même lu le passage seulement, les démons. Some, as soon as we read this excerpt, the demon left. Mais elle dit que. But she says. Sa tante. Her aunt. Lui a montré 50, les 50 francs qu'on avait jetés par terre qu'elle a ramassé. The 50 francs which were thrown down and she collected it. Et il lui a montré ça. She showed it to her. Il y avait un animal. There was an animal. Il voulait lui dire que moi j'étais acheté. She wanted to tell her that me I bought you. À 50 francs. At 50 francs. Si elle était éveillée même. If she was awakened. Le combat finissait ce jour-là. The battle finished. That day. Il suffit de dire à l'ennemi qu'on n'achète pas un homme avec 50 francs. It was just to tell the enemy, no one is being to be bought, is not to be bought at 50 francs. Tu réponds dans la prière parce que Dieu lui a donné la vision. Nous étions en prière. Ce n'est pas dans le sommeil. I mean, you reply into the prayer. God gave her the vision while we were praying. It was not that she was sleeping. Les visions qu'on a ici. The visions that we have here. Pour prendre ça au sérieux. Take it seriously. Alléluia. Amen. Parce que nous, la grâce de Dieu est avec nous. Because the grace of God is with us. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Les gens qui renversent les idoles. People who overthrow. Qui s'efforcent pour jeûner et prier. Who struggle to fast and pray. Dieu ne peut pas leur donner des visions de mensonges. God cannot give them false visions. La vision qu'elle a eue là, c'est vrai. The vision she got is true. Sa tante a senti qu'elle est menacée. Her aunt felt the threatenings. Elle lui a montré 50 francs. And she shown her
50 francs. Et avant ça, and before that, elle lui avait déjà donné une corne. Elle she had already given an animal on. Elle a vomi le sang dedans. And she vomited blood inside. Ça va finir. But this will finish. Et beaucoup sont dans des liens occultes sans savoir. Are in the ties, occultized. Par les objets trouvés. By things that they collected. Des dons. Some gifts. Des cadeaux. Some presents. Vous voyez, sa tante, 50 francs. You see her own aunt, 50 depuis francs. Ce jour-là. Since that day. On donne la viande, elle mange. Elle she's pas, given elle, meat. Elle ne veut pas. Elle cherche la guérison, la délivrance. Elle quitte du Bénin, du Togo jusqu'en Côte d'Ivoire. She's seeking deliverance. She came from Togo to Côte d'Ivoire. Si elle aimait ça, elle n'allait pas être avec nous. If she loved that, she would have not been here. Être dans quelque chose que tu ne veux pas. To be in something that you don't want. C'est ça qu'on appelle être envoûté. This is what is called to be bewitched. Et la personne qui a fait ça sait ce qu'elle a fait. And the person who did it knows what she did. Et dans certains cas, certains savent le jour et l'heure. Mais and in some cases, the person knows the day and the time. Donc nous allons nous tenir debout. So we are going to stand up. Si tu es un invité, if you are a guest, pendant qu'on prie, while we are praying, tu dis à Jésus, you tell Jesus, moi aussi je suis ton enfant, je vais te suivre. I too, I am your child, I want to follow you. Je laisse la sorcellerie. I stop witchcraft. Je laisse le péché. I stop sin. Je veux te suivre. I want to follow you. Et quand on va finir, and when we will finish, je vais vous inviter devant ici. I will invite you here. Pour recevoir la prière. To receive a prayer. La bénédiction. A blessing. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. C'est-à-dire nous allons frapper partout où le diable. I mean, we are going to strike everywhere the devil. Brandit une preuve. Is a handing a proof. Un mensonge. A lie. Que voici le salaire. That this is the salary. J'étais acheté. I bought you. Nous allons frapper. We'll strike. Nous allons déclarer libres les opprimés. And we'll declare free all the oppressed people. Vous écoutez les témoignages. You listen to testimonies. Quelqu'un là, ses effets sont dans une tombe. Someone is here and his staff are in a tomb. On ne t'a rien demandé, on a déjà pris tout, on met they dans une tombe. They ask you nothing, they have already taken everything and they have put in a tomb. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis d'un commun accord. Say in a common agreement. Nous jugeons. We condemn. Toute résistance. Any resistance. Qui tente de montrer une preuve. Which is trying to show. Une raison. A reason. Leur permettant de résister. Allowing them to resist. De continuer à garder les biens des and autres. And keep the goods of people. Nous jugeons. We judge. Nous frappons. We strike. Nous jugeons. We judge. Nous frappons. We strike. Nous délivrons les captifs. And we deliver the captives. Nous délivrons les captifs. We deliver the captives. Nous délivrons Naomi. We deliver Naomi. Et tous ceux qui sont dans son état. And everybody who is in the same nous cassons. Situation. We nous break. Frappons. We strike. Nous jugeons. We judge. Nous cassons. We break. Nous frappons. We strike. Nous jugeons. We judge. Nous brisons les chaînes. We break the chains. D'ici la personne est enchaînée. If a person is in chains, nous brisons les chaînes. We break the chains. Nous brisons les chaînes. We break the chains. Même si ce sont les chaînes des reins. If there are iron nous chains, brisons les chaînes. We break the chains. Même si c'est les chaînes de fer. If it was in nous iron, brisons les chaînes. We break the chains. Nous brisons les liens. We break the ties. Nous brisons tout lieu de captivité. We break any type of captivity. Prie en langue. Pray in tongues.
Du nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je me sépare. I separate myself. De tout objet trouvé. Of any. Je me sépare. Object. De tout don. I separate myself. Cadeau. Of any soit man. Soit que j'ai reçu. Any gift received. Soit que j'ai donné, j'ai offert. Or given. Soit que j'ai donné. Received. Soit que j'ai offert. Or given. Je brise. I break. Je me sépare. I separate myself. D'un tel don, d'un tel cadeau. I separate myself of je brise tous les liens derrière. I je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Continue à frapper maintenant. Keep on striking. Si tu te souviens que tu as ramassé quelque chose, tu frappes. That you collected something, you strike. Tu te souviens de quelque chose, tu frappes. You remember something, you strike. Kota rabasa karabaka, kota rabaka, urubaka sakarabaka, urubaka sakarabaka, urubaka sakarabaka, urubaka sakarabaka, urubaka sakar. Tout objet, tout objet, tout objet, tout objet, tout objet, de jour comme de nuit, brisé, taillé, brisé, taillé, brisé, taillé, brisé, taillé. Hata rakabaka sakal, urabaka sakabaka sakal, urabaka sakabaka, urabaka sakarabaka, urabaka sakabaka, urabaka sakabaka, urabaka rabaka. Nous libérons tout captif. Nous libérons toute personne. Nous libérons toute personne qui est dans la situation de Naomi. Nous la délivrons elle-même. Nous la saisissons. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes de quiconque est dans cette situation. Nous détruisons l'orgueil de l'ennemi. Nous effaçons ses traces dans les annales du diable et des sorciers et des enfoutements. Nous brisons tout enfoutement. Nous brisons tout enfoutement. Nous cassons les chaînes. Nous cassons les chaînes. Nous brisons les prisons. 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 Nous brisons les tours. Nous renversons les tours. Nous démolissons les forteresses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue à frapper. Keep on striking. Si c'est dans une tombe, nous cassons la tombe, nous cassons le cercueil, nous libérons les captifs, nous cassons la tombe, nous cassons le cercueil, nous libérons les captifs. Si c'est dans l'eau, nous asséchons l'eau, nous frappons, nous brisons les chaînes. Si c'est dans le ventre d'un poisson ou d'un serpent, d'un reptile, nous jugeons, nous brisons, nous cassons, nous jugeons, nous brisons, nous cassons, nous brisons, nous jugeons, nous cassons, nous brisons, nous jugeons, nous cassons, nous libérons les captifs. Dieu au nom de Jésus. Dieu au nom de Jésus. Je refuse la sorcellerie. Je refuse tout ce qu'on a fait en mon nom. Pour m'inscrire dans la sorcellerie. Tout ce qu'on a fait en mon nom. Toute offrande en mon nom. Tout argent donné en mon nom. Je rejette cela. Et je détruis tout lien. Je déclare que j'aime Jésus de Nazareth. Je suis membre du corps de Jésus. Je suis membre du corps de Christ. Je refuse d'être sorcier. Je refuse. Je refuse tout ce qui concerne la sorcellerie. Tout. Les compagnons, les dons, l'héritage, je refuse. 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 S'il y a quelque chose, un objet en moi qui appartient à la sorcellerie, j'ordonne que cet objet soit détruit et séparé de ma personne, esprit et mes corps. Continue à frapper, continue à frapper. Keep on striking. Dis, je sors de la forêt. Et je brûle la forêt. Je sors de cette forêt. Je sors de cette forêt. Je sors de cette maison. Je sors de cette.
Je sors de toute maison. Je sors de tout lieu qui est lieu d'enfoutement. Tout lieu qui est lieu d'enfoutement. Je casse, je sors. Au nom de Jésus-Christ. Prions à l'âme. Asseyons-nous. Please sit down. Dis, j'appartiens à Jésus. Say, I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. Aucun démon n'a rien à revendiquer. Say, no demon has nothing to claim. Même si j'avais invité un démon, even if I had invited the demon, c'est annulé. It's cancelled. Je ne veux plus. I don't want again. Jésus est tout pour moi. Jesus is all for me. Je proclame. Que Jésus est tout pour moi. Is all for me. Dis, mon ennemi. Say my enemy. C'est toi qui dois partir. You must leave. Je reste avec Jésus. I stay with Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. D'un commun accord. In a common agreement. Nous jugeons. We contend. Tous les liens établis par les cadeaux. All the ties settled by gifts. Si j'ai reçu un cadeau. If I have received a gift. Pour établir un lien d'enfoutement. To set a link of bewitchment. Je bannis ce cadeau. I ban this gift. Et je maudis ce cadeau. And I curse this gift. Je le chasse de ma vie. And I cast it out of my life. Même si je dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Même si je ne peux pas l'identifier. Even if I cannot identify it. Je déclare. I declare. Qu'il est déjà maudit et séparé de ma personne. That is already cursed. And separated from me. Il est maudit et séparé de ma personne. It cursed and separated of my body, of my person. Si moi-même j'ai offert quelque chose à quelqu'un. If myself, I offered something to someone. Qui a utilisé ça? Who is using it? Pour faire la sorcellerie. To do witchcraft. Je bannis cela. I bannish. Je me sépare de ce cadeau. And I separate myself of it. J'annule cette sorcellerie. And I cancel this witchcraft. J'annule. I cancel. Je bannis. I ban. J'annule. I cancel. Je bannis. I ban. J'annule. I cancel. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je condamne. Toute méchanceté any wickedness qui a exploité mon cadeau que j'ai donné the gift I have gave pour me faire du mal. To do, je condamne toute méchanceté any wickedness qui utilise le cadeau que moi j'ai donné which is using the gift I gave pour m'envoûter. To bewitch me. Je détruis cet enfoutement. I destroy it. Je déclare ma liberté. I declare my je freedom. Déclare ma liberté. I declare my freedom. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ.
Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous, d'un commun accord. In a common agreement. Nous jugeons toute méchanceté. We condemn any wickedness. Qui a consisté à donner à manger à quelqu'un. Which was to give food to someone. Et qui l'a mangé. And he ate. Pensant que c'était un acte de charité. Thinking that it was an action of love. Alors que c'était un envoûtement. While it was nous jugeons cette œuvre. We judge this nous cassons cet acte. We pray nous brisons le lien. Nous libérons la victime. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Dis si un esprit a suivi quelqu'un. Say if a spirit followed someone. Parce qu'il a acheté les médicaments chez les femmes qui vendent les remèdes traditionnels. Because she bought a medicine in the hand of the ladies who sell the traditional medicines. Depuis qu'il a utilisé ces médicaments. And since he has used this medicine, esprit est dans sa drugs, vie. A spirit is in l'a suivi. His life. The spirit that followed him. Ou un esprit l'a possédé. Or possessed him. L'esprit d'un mort. A spirit of a dead, ou un esprit de divination. Or a spirit of divination. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en. Go away. Nous déclarons libre. We declare free. Celui qui a été victime. The one who was a victim. Libre. Free. Libre. Free. Libre. Free. Libre. Free. Libre. Free. Libre. Free. Toute personne qui a été victime. Anybody who was a victim or is a victim. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous libérons toute personne. We release, we set free any everybody. Qu'on a envoûté. Bewitched. Le jour où on est venu le féliciter. The day they came to congratulate him. Et lui, il était naïf, croyant que c'est l'amour. He was thinking that it was love. Et on l'a salué. He was greeted. On l'a envoûté. He was bewitched. Tu es brisé. You are broken. Tu es brisé. You are broken. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Tes captives libérés. Your captives are released. Tes captives libérés. Your captives. Tes captives libérés. Your captives are released. Ennemi. Say enemy. Tu as un rang dans la sorcellerie. If you have a position in witchcraft, c'est de soutien. Which is a support to you. Nous te renversons. We overthrow you. Nous brisons ton trône. We break your throne. Nous cassons ton trône. We break your nous throne. Brisons ton trône. We break your throne. Nous te jetons dans la poussière. We throw you in the dust. Tu n'as plus de rang. You have no more position. Va maintenant. Go now. Va vite. Go quickly. Thank you.
Gardez le calme. Keep calm. S'il y a une maladie, if there is a disease, il y a quelqu'un qui est malade, if there is someone who is sick, que sa maladie vienne, and his disease comes, provient d'un envoûtement, from a bewitchment, si tu es là, if you are here, victime d'un envoûtement, victim of a bewitchment, si tu es là, if you are here, victime d'un envoûtement, victim of a bewitchment, et qui t'a rendu malade, which has made you sick, par la vertu du sang de Christ, by the virtue of Christ's blood, je déclare que tu es guéri. We declare you are healed. Je déclare que tu es guéri. I declare you are healed. In the name of Jesus Christ. Tu es guéri. You are healed. You are healed. Je te sépare de toutes les pratiques. I separate you from all the practice. Qu'on a fait sur ton cordon ombilical. Toutes les pratiques. All the practices. Faites sur ton cordon ombilical. Casse le lien qui te lie. I break the tie. S'il y a une sœur, if there is a sister, ou un frère qu'on a envoûté, or a brother who has been bewitched, qui ne se marie pas, he is not getting married, mais qui s'occupe de la famille, and he is taking care of the family, et on l'a envoûté, and he has been bewitched, son cœur, his heart, ne s'attache pas aux femmes, does not attach itself to. Il méprise le mariage. To women, he despise marriage. Mais il s'occupe de la famille. But he takes care of a family. Lui-même ne peut même pas s'habiller, mais il s'occupe seulement. He cannot even buy clothes for himself, but he is taking care of a family. Son cœur bat au rythme de la famille. His heart is beating at the rhythm of the family. Tu es libéré. You are released. De ton homme normal. You become normal. Tu deviens normal. You become normal. Au nom de Jésus-Christ. Say in the name of Jesus Christ. Je me sépare de mon village. I separate myself from my village. Si ton esprit est toujours au village, c'est ton temps de délivrance maintenant. If your spirit is every time in your village, it's the time for your deliverance. Et je sors de là. Say, get out of there. Je sors de la forêt. Say, I get out of the forest. Je sors de la terre du village. I get out of the earth of the village. Je sors de toute forêt. I get out of any forest.
Je me sépare de ce village. I separate myself from this village. Même mes empreintes, je les efface. Even my prints, my footprints, I clean them. J'efface mon nom. I clean sur my tout name. Tout objet. On anything. Utilisé dans la sorcellerie. Used in witchcraft. S'ils ont une liste, j'efface mon nom sur leur liste. If there's a list, I clean my name from this list. Je l'efface avec le sang de Christ. I clean it with the blood of Jesus. Ici, un esprit humain a suivi quelqu'un parce que c'est son homonyme. Has followed someone because it's homonyme. L'esprit d'un mort. And is dead. Ou d'une personne vivante. Or a living person. Qui utilise le lien de l'homonyme pour envoûter. The link of homonyme to bewitch. I separate myself spirituellement de ce nom. Spiritually from this name. Lève ta main droite. Put up your right hand. Et nous nous levons contre toute chose. So that we stand against everything. Que nous n'avons pas encore nommé ici. That we have not named yet here. Qui existe contre nous. And which exists against us. Toute chose non encore nommée. Anything not named. Toute chose non encore nommée. Anything not named. Nous levons nos mains. We put up our hands. Pour la renverser. To overthrow it. Pour la briser. To break it. Où qu'elle soit. Whatever, wherever it is. Et quelles que soient ses fonctions. And whatever is nous renversons. We overthrow. Nous brisons. We break. Nous renversons. We overthrow. Nous détruisons. We destroy. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Garde le calme. Keep calm. Il y a un témoignage. Who has a testimony? Oui, Naomi. Where's Naomi? Est-ce qu'elle est encore venue? Viens, viens, viens. Donnez-lui le micro. Gloire à Dieu. Praise the Lord.
Et pendant qu'on est en train de prier, ma tante a laissé une alliance dans sa main sale, très noire. La while we're praying, my aunt removed a marriage ring in her hand of et dirty. Puis, elle est partie. And she left. Amen. Amen. Elle avait une alliance. She had a ring. Non, c'était elle t'avait épousé. So she had married you. Délivrée, c'est fini. She's delivered, it's finished. Oui, écoutons les autres. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Guadiane. Ce soir, le Seigneur nous a conduits dans le combat comme d'habitude. Mais il a envoyé, quand le pasteur a demandé qu'on rende grâce, qu'on remercie le Seigneur, il y a là des soldats, c'était des anges avec des armes. Là aussi, c'était des soldats, des anges qui sont arrivés comme des soldats armés, vraiment armés avec des armes pour nous conduire dans le combat. Donc ce soir, tous les sujets que le Seigneur, que le pasteur donnait, ce sont les anges, c'est cette armée-là qui conduisait et qui exécutait au fur et à mesure, qui faisait accomplir les sujets au fur et à mesure. Alléluia, alléluia. Quand il dit les chaînes sont brisées, tu vois les anges qui rentrent avec leurs armes et brisent toutes les chaînes au fur et à mesure. C'est ainsi que j'ai vu, le Seigneur m'a fait la grâce en prière pour la sœur. J'ai vu, je ne sais pas si c'était ta tante, mais une dame assise avec d'autres dames et la sœur avait dans leur... C'était comme une confrérie de sorcellerie. Et la sœur avait une chaîne au cou et une chaîne au pied. Comme quelqu'un qu'on a enchaîné pour être exécuté. Et quand le pasteur a dit, les chaînes, nous brisons les chaînes, cette chaîne-là s'est éclatée. Et en dehors d'elle, tous ceux qui avaient des chaînes dans les pieds, toutes les chaînes ont été brisées. Là où il a dit, on rentre dans les forêts, on met le feu dans toutes ces forêts, partout, 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 je ne veux pas citer. Mais ce soir, nous avons été bénis. Et à la fin, j'ai entendu, sortez du doute, parce qu'il y a beaucoup qui doutent encore. Sortez du doute, ne doutez point pour tout ce qui s'est passé ce soir, parce que les prisons ont été brisées, renversées, tout ce que le Seigneur a cité. Toutes les prières que le pasteur a élevées, le Seigneur dit qu'il a exaucé toutes ces prières. Ne doutons point. Et moi, je voudrais dire merci à Dieu pour moi-même, parce qu'en 2012, j'ai été opérée d'une cervicatose. J'ai été opérée et mon grand cousin est venu de San Pedro pour m'assister. Et quand il est arrivé avec de l'huile de piton. Il est arrivé avec de l'huile de piton et puis, je crois, un complet de paille. Mais mon esprit a refusé ça. J'ai dit non, 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 je ne veux pas d'huile de piton parce que j'ai déjà des médicaments. Il dit, l'huile de piton va te faire du bien. J'ai dit non, je n'en veux pas. Le pagne aussi, je n'ai pas accepté. Et quand on priait pour tous les objets, les cadeaux envoûtés, le Seigneur me disait, tu as bien fait de refuser parce que c'était envoûté. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Annie, épouse Chami, de l'église de Québec City au Canada. Ce soir, j'aimerais dire merci au Seigneur pour sa délivrance. Dès qu'on a commencé à prier directement, je me suis retrouvée dans quelque part comme au village. Je ne connais pas trop mon village, mais c'était là où il y avait les tombes. Bombé comme ça, et puis ça a commencé à trembler, 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 trembler. Je me suis approchée pour voir ce qui se passe, et puis il y a eu explosion du tombeau, explosion du cercueil. Puis je continuais de prier, mais j'ai demandé, mais qui est dans ce cercueil? Et quand je vais regarder, c'est moi qui suis dedans. Et je me suis vue couchée dans le cercueil.
Et puis je me suis dit, mais je ne peux pas rester là, qu'est-ce que je fais là? Puis je me suis levée. Alléluia. Acclamation. Clap. Amen. Acclamation. Clap. Avec les cris de victoire, Jésus de Nazareth. With shouts of victory, Jesus of Nazareth. Et il y a eu une deuxième délivrance. Quand on parlait des choses, quand le pasteur parlait des choses ramassées, je me suis rappelée que j'aimais beaucoup ramasser de l'argent quand j'étais enfant. Même quand ma maman disait, non, on n'est pas dans un bon quartier, ici en Godi, il faut jeter, jeter. Mais moi, j'aimais ça. Et même les bagues, j'aimais bien ramasser. Et je rappelle que quand je me suis vue dans le tombeau, le pasteur parlait encore d'Ésaïe 52. J'ai dit, mais c'est quoi qui m'a fait être dans ce tombeau? Il y a eu une bague que j'avais ramassée quand j'étais enfant. Là, je parle à côté, il y a 30 ans. Vous vous imaginez, cette bague-là est apparue au-dessus de la tombe comme ça. Et j'ai dit merci à Dieu parce que je me suis séparée de cette bague-là. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Et la deuxième vision, quand on priait encore des objets, je me suis rappelée que quand j'étais petite, ma mère m'avait mis une corde ici. On vous appelait ça les cordes Baya. J'avais mentionné lors de mon brisement de lien. Et ce soir, j'ai vu une grosse paire de ciseaux. Une main qui est venue tailler cette corde-là. Jésus-Christ. Donc, c'était encore là. C'était encore là en esprit. So the spirit was still there. Suivant. Gloire à Dieu. Je suis la sœur opportune Yoro, mon faiseur et disciple. C'est mon maman Colette Mengé. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré de l'envoûtement. Pendant qu'on priait, le pasteur Mengé a dit, si tu te souviens de quelque chose, c'est pas toi. Et je me suis souvenue tout à coup de... J'avais pas encore cru. J'avais ramassé 3 billets de 500. C'était... des vieux biais. Et il a commencé à rendre pendant qu'on priait. Donc, je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré de l'envoûtement. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Esther, mon faisait des disciples, c'est la sœur du Diane. Je veux dire merci au Seigneur pour ma délivrance. Il faut dire que quand le pasteur a fait venir la sœur et qu'elle a été vendue par une pièce de 50 francs, donc, c'est comme cela, moi aussi, je me suis souvenu. Au moment que j'étais attendant là-bas, il y avait un monsieur, il était mon voisin. Là, j'étais musulmane. Maintenant, le monsieur disait que je suis gentille, je suis une petite fille gentille, mais comme je vends, lui, il va faire quelque chose pour me donner. Et c'est comme cela, il allait couper une feuille. Il a coupé une feuille et puis il l'a mis dans une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il a mis la feuille, il m'a dit de mettre la feuille là dans ma poche. Et c'est comme ça que j'ai pris l'enveloppe, je l'ai mis dans ma poche. Et après, il m'a dit de le remettre. Quand je lui ai remis l'enveloppe, il a fait sortir une billet de 1000 francs. Et il m'a dit que ce billet de 1000 francs là, si tu veux aller faire achat, tu prends 1000 francs et puis tu mets dedans, tu t'en vas faire l'achat avec. En ce moment, je vendais gâteau. Et quand j'ai fait comme cela, premier jour, ça marchait. Deuxième jour, ça marchait. Mais depuis lors, quand je fais quelque chose, ça marche, mais je ne gagne pas de l'argent. Et c'était comme cela. Après, j'ai donné ma vie à Jésus. Je vends, mais c'est la même chose. Si j'ai commencé avec 50 000, je vais me retrouver avec 10 000 ou bien 5 000 même après. Et c'est comme cela. Avant-hier, quand on est venu ici... ils ont fait mon brisement des liens. Quand ils ont fait mon brisement des liens, le frère ordonnait que s'ils ont volé tous tes biens, qu'on remet tout. Pendant qu'il est en train de prier, j'ai vu le monsieur en personne, il est venu, il y avait 2 barriques dans sa main et il a renversé l'argent là devant moi. Et moi, j'ai su que ce n'est pas encore fini parce qu'il est mort. Et aujourd'hui, s'ils ont dit, ah, même si la personne se trouve et où il est mort, j'ai commencé à casser. J'ai dit, si tout... Il y a aussi encore, tu restes dans ce cercueil, sors et tu viens me donner. Je me suis retrouvée dans la cour où ce jour-là s'est passé. Il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un. Mais moi, j'ai eu peur, j'ai dit à ma maman ou à tous mes frères. Donc, je me suis retrouvée dans le même coin. Et il est sorti dans sa chambre avec l'enveloppe, il l'a ouvert. Il dit, tiens, je suis fatiguée. Ce jour-là, je lui ai dit, je m'appelle Rokia, mais lui, il m'appelle Brakissa. Il dit, Brakissa, je suis fatiguée. Depuis que tu es venu ici, là, tu me fatigues, tu ne me laisses pas en paix. Prends tout, il faut partir. Et il faut dire que depuis avant, quand ils ont fait le brisement des liens,
On est venu, on s'est dit, bon, si on ne se débrouille pas, notre argent de nourriture, là, on finit de manger. Donc, on mettait dans des choses, on vend. Mais quand on vend souvent, on peut se sortir avec 200, 300, 500. Mais depuis le brisement des liens est fini, et il m'a remis, notre argent monte. Nous, on est dépassé de ce que l'on voit ces temps-ci. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ma délivrance. Au nom de Jésus, amen. 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 Gloire à Dieu. Mon c'est la sœur Traloutra Natacha. Mon faiseur de disciples, c'est le frère Marius. Je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'il vient me montrer trois visions. Les deux autres visions, c'était comme dans le passé, il a fait deux songes. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a montré en vision. Je ne voulais pas parler de ça, mais troisième vision que je viens de recevoir, il m'a délivré. Donc, c'est pour ça que je veux dire les deux. On dit rapidement parce qu'il y a des rares. Si tu n'as pas... Les deux autres... La première vision... Qu'est-ce que tu as vu rapidement? Dis d'abord une. Si c'est bon, on prend le deuxième. Aujourd'hui, la vision que j'ai reçue, c'est... Lorsque la sœur a dit qu'elle était vendue par une pièce de 50, moi, je me suis... Quand papa a commencé à briser les envoûtements, le Seigneur m'a montré une vision. Lorsque j'étais petite, ma main n'était pas là. Donc, quand j'avais faim, je sors au dehors. Au dehors, je vois souvent les douleurs qui font les sacrifices avec l'argent. J'avais l'habitude de ramasser. Donc, le Seigneur m'a montré dans la vision que... Le jour que j'ai ramassé cet argent pour manger, j'étais envoûtée. Aujourd'hui, quand papa priait, j'ai vu un démon, mais il était gros, qui était en moi. Dès qu'il est sorti en moi, je suis devenue faible. En même temps, les deux autres visions sont venues. Dans les deux autres visions, j'étais avalée par un serpent. Et aujourd'hui, là, dans la vision, le serpent a vomi avec moi. En même temps, quand je me suis levée, il y a un dragon qui est sorti en moi, qui avait les flammes et les deux cornes, et il était en rouge-noir. Et le troisième, je partais, je me suis retrouvée au-dessus d'un gros canari. Il y avait des démons autour. Et dans le canari, il y avait un truc qui prononçait mon nom, Natacha, sauve-moi, sauve-moi. Donc, lorsque je me suis approchée, j'ai regardé, puis j'ai poussé. Quand le canari est cassé, il y a une étoile qui est sortie en même temps qui est montée au ciel, et les démons ont commencé à s'exploser. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur de m'avoir délivré de cet envoûtement au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je suis le frère Aubin, Paul Aubin, disciple du pasteur Yahoo Lugan. Je vais être infiniment reconnaissant à Dieu qui vient de me délivrer. Frère, quand je venais avec ma famille, j'ai dit à ma famille qu'on va à la terre promise. On va pour être délivré avant de revenir. J'ai dit au Seigneur, je suis ouvrier, j'ai dit au Seigneur, il faut suspendre mes chantiers jusqu'à la fin de la croisade. Donc, j'étais assis là-bas et quand la prière a commencé, papa a dit, si tu as été envoûté, quand j'ai compris envoûtement là, je me suis référé à mes parents, les influents de ma famille. Quand je cite un nom, j'ai l'impression que mon corps me picote jusqu'à quelque chose qui veut sortir de moi. Je dis, ah, moi aussi, je serai délivré aujourd'hui. Les gens rendent témoignage. Moi aussi, je vais rendre témoignage. Donc, c'est ainsi que je suis là. Je sens dans mon dos, là, je mets ma main seulement. Je vais attraper la chose qui sort, là. Mais je n'arrive pas. Et je sens qu'il y a quelque chose qui veut sortir de moi. Donc, vraiment, je vais être infiniment reconnaissant à Dieu. Parce que ce qu'il a commencé là, dans son laboratoire là, avant que je ne parte d'ici là, je serai totalement délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Tiamoko Banti Léontine. On faisait disciple, c'est le frère Judicael. Il a dit merci à Dieu ce soir. Il faut dire, ma grande sœur, elle était envoûtée au village. Elle avait 5 ans de maladie. Son pied, on fait comme ça. Mais ce soir, le Seigneur, papa a commencé à prier, on a dit merci à Dieu en langue. Ce soir-là, il y a eu vision. Et il y a eu la main qui a venu prendre son pied.
pour enlever le premier pora. Et je vois encore la main enlever, démonter son os là, pour nettoyer ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dedans. Donc j'ai dit merci ce soir pour la guérison de ma grande sœur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Anissan Rachel, missionnaire numéro 2 de l'église à Beauville. Gloire à Dieu. Mon frère dit c'est le pasteur Lombé Innocent. Tout à l'heure, quand on était en train de prier, que le pasteur a parlé du cordon ombilical, que si tu as été envoûté par ton cordon ombilical, il faut casser, il faut juger. Et pendant qu'on était en train de prier pour le cordon ombilical, j'ai entendu « Je libère, je libère, je libère. Vous m'avez eu, vous m'avez eu, vous m'avez eu. Je m'en vais, je m'en vais. » Gloire à Dieu. Qui veut donner sa vie à Jésus? Who wants to give his life to Jesus? Lève la main. Put up your hand. Viens. Come. Venez, venez. Come. Qui autre? Venez, venez, venez. Who else? Come. Si tu veux donner la vie à Jésus, viens ici. If you want to give your life to Jesus, come here. Venez, venez, venez. Come, come, come. Qui veut donner sa vie à Jésus, viens ici. Who wants to give his life to Jesus, come here. Qui veut donner sa vie à Jésus, viens, viens vite. Who wants to give his life to Jesus? Même je vois comment Satan est mauvais. Tu ne dois pas rester dans son camp. You must not stay in the camp of Satan. He's bad. Venez, venez rapidement. Come, come quickly. Venez, venez rapidement. Come quickly. Venez rapidement. Come quickly. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Acclamons très fort. Let us clap loudly. Tu veux donner la vie à Jésus, viens vite, vite. You want to give your life to Jesus, come quickly. Qui autre? Who else? Qui autre? Who else? Nous allons prier. We'll pray. Nous allons prier. Si tu dois venir, viens maintenant. We are going to pray. If you want to give your life to Jesus, come now. Levez vos mains. Put up your hands. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te donne ma vie. I give you my life. Pardonne mes péchés. Forgive my sins. Tous mes péchés. All of them. Lave-moi par ton sang. Wash me with your blood. Purifie-moi. Purify me. Sanctifie-moi. Sanctify me. J'accepte. Say I accept. On me sépare de la sorcellerie. To be separated from witchcraft. Je refuse d'être sorcier. I refuse to be a witch. Je veux servir Jésus Christ. I want to serve Jesus Christ. J'accepte qu'on me sépare de la malédiction. I accept to be separated from the curse. Qui règne dans la famille. Which is in my family. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Pose les mains sur la tête. Lay your hand on your hand. Dis Seigneur. Say Lord. Je suis venu. I've come. Mais je suis fatigué. And I'm tired. Je suis chargé. I'm loaded. Mes péchés. I've seen des blocages. I'm loaded with oppressions and blockages and oppressions. Sont mon lot quotidien.
are my daily bread. Oh, Seigneur. Oh, Lord. Délivre-moi. Deliver me. Et guéris-moi. And heal Délivre-moi. Me. Délivre-moi. And heal me. Délivre-moi. Deliver et guéris-moi. And heal me. Délivre-moi. Deliver et guéris-moi. And heal me. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous derrière. Go and sit behind. Regardez derrière, asseyez-vous. C'est toi. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Le travail à faire. The work to be done. Et chacun doit travailler sur la consécration à Dieu. Everyone must work on his consecration to God. Tu disposes ton être tout entier. You give your full body. Esprit, âme et corps. Spirit, soul and body. Tu places tes possessions devant Dieu. You put your possessions before God. Dans le présent et dans le futur. In the current time and in the future. Entre dans une alliance avec Dieu. Enter into a covenant with God. Vous allez voir. You see, Dieu a besoin de nos prières pour opérer des miracles. God needs our prayers to operate miracles. Quand on prie avec ferveur, when we pray, ça ouvre le with ciel. With strength, it's open heaven. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Ça ouvre le ciel. It opens heaven. Et les jours qui suivent. And the following days. Vous allez voir que l'armée céleste. You'll see that entre dans la bataille. The heavenly army enters the battle. Même si la croisade finit. Even after the end of a crusade. Les décisions que Dieu a prises vont s'accomplir chaque jour. The decision God has taken will occur every day. Ne soyez pas étonnés que on prie, les morts viennent restituer les choses et fuient. Do not be amazed that we pray and the dead people come and restitute things and flee. C'est l'œuvre de Dieu. It's God's work. C'est le jugement de Dieu. It's the judgment of God. Et nous discernons les témoignages. And we discern the testimonies. Nous les testons. We check them. Nous les éprouvons. We check them. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a même des gens, quand ils finissent de rendre témoignage, je les appelle, je dis viens. Et maintenant, est-ce que tu as encore mal? There are people, when non. They finish the testimony, I call them and I check if they are still sick. They say no. Pourquoi? Why? Parce qu'il faut glorifier Dieu. On ne glorifie pas Dieu avec le mensonge. We must glorify God. We don't need to glorify God with lies. Ce sont des les guérisons qu'on obtient par la foi ici, comme ailleurs, c'est durable. The healings that we receive here or somewhere else are lasting. Donc, il ne faut pas tourner sur place pendant la bataille. So do not turn around during the battle. Il faut progresser. You must move forward. Tu te rapproches de Dieu. You get close to God. Tu lui confesses ton amour. You confess your love to him. Tu lui dis que tu veux rester avec lui. You tell him that you want to stay with him. Tu enlèves ce qu'il n'aime pas. You remove all that he doesn't like.
Tu donnes à la bataille une portée éternelle. You give to your battle an eternal au-delà status du pain quotidien. Beyond your daily bread. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. It's what we are doing. Viser l'éternité. Target the eternity. Sans négliger le présent. Without neglecting the current time. Que personne ne te trompe, que la santé physique n'est rien. Let no one deceive you, telling you that physical health is nothing. Dieu s'occupe de l'homme tout entier. God takes care of the full being of human. Esprit, âme et corps. Spirit, soul and body. Même son milieu environnemental. Even his area. Là, c'est pour ça qu'il y a des sources d'eau, des fleuves. This is why we have waters, lakes and rivers. Dieu fait tomber la pluie. God make the rain fall. S'il ne pleut pas, if it's not raining, il y aura une catastrophe. They will have a catastrophe. Quand tu pries, when you pray, il faut couvrir tous les domaines. You must cover all the areas. Jusque dans l'éternité. Till the eternity. C'est ça que nous appelons, selon le frère Zach, le plein salut. This is what we call, according to Brother Zach, the full salvation. Un homme qui a les péchés pardonnés. A man whose sins are forgiven. Doit avoir les liens brisés. Should have his ties broken. L'enfoutement banni. The bewitchment banned. La prospérité libérée. The prosperity released. Le plein salut. The full salvation. Alléluia. Amen. Veillez seulement pour que les faux prophètes ne se cachent pas parmi watch nous. Watch out so that false prophets do not hide in our midst. Nous étions à Douala. We were in Douala. Quelqu'un est entré. Someone entered. Il dit qu'il est un enfant de Dieu. He said he's a child of God. J'ai causé avec lui. I chatted with him. Il lui dit que tu n'as jamais cru. I told him you have never believed. Tu n'as jamais cru. You have never believed. Il s'est fâché. He got upset. Il dit, est-ce que quand on croit, on doit afficher ça sur le dos? He said, is it when you believe, you put it in your, on your back? Il lui a dit oui. I said yes. On doit voir le fruit. We must see the fruit. Il lui a dit, il faut partir, nous allons prier. I said, go, we want to pray. Il dit, ne pars pas. He said, I'm not leaving. Je prie avec vous. I will pray with you. Il dit, ne, il faut partir. I said, please go. Il dit, non. He said, no. L'heure de la prière est arrivée. The time of prayer arrives. Il est venu s'asseoir. He came and sit down. J'ai modifié le I programme de réunion. Program. J'ai choisi les versets qui exaltent Jésus. I chose the verse which exalted Jesus. Les cantiques qui exaltent Jésus. The songs which exalt Jesus. Après, je l'ai vu écrire un bout de papier à une sœur. Later, I saw him writing a piece of paper to a sister. Moi aussi, j'avais ma part de papier sur la table. So I had my part. Of piece of papers on j'ai, my table. J'ai écrit à la sœur, j'ai dit, donne-moi le papier qu'on t'a donné là. I wrote to my sister, give me the piece of paper you have been given. Elle m'a envoyé. She sent it to me. Je lis. I dit, read. Citron, oignon, ail, carotte. C'est-à-dire quand nous prions par la foi pour la guérison. I read citrus, onion. Lui, il donne garlic. Une ordonnance occulte à la personne selon les sectes. It means that while we were praying by faith, he gave a list of occult things. Parce qu'il m'avait dit qu'il est venu partager son expérience avec nous. Because he told me that he has come to share his experience with qu'il a, us. Qu'il a déjà travaillé avec 6 dénominations. That he had already worked with 6 churches. Il lui a dit, enlève notre nom sur ta liste. I said, remove our name on your list. Si nous n'avions pas eu le discernement. If you had not the discernment, il allait empoisonner tous les fils. He would have poisoned all the brothers with the pieces of papers. Veillez. Watch out. Quelqu'un peut se cacher là pour chercher les âmes pour créer son ministère après la croisade. Someone can hide himself in our midst to seek people to create a ministry after the crusade. We have already seen that.
Veillez. Watch out. Donc, tenons-nous debout. So let us stand up. Dis Seigneur. Salut. Merci pour la délivrance de la sœur Naomi. Thank you for the deliverance of Sister Naomi. Ce mariage brisé avec ce mariage avec this, sa tante brisé. This marriage with her aunt broken. Merci pour toutes les autres chaînes brisées. Thank you for all the other chains that you broke. Merci de nous avoir révélé que certains esprits ont des réclamations. Thank you for having revealed to us that some spirit has some claims. Dis, oh Père. Oh Father. Continue la bataille. Continue the battle. Cette nuit. This night. Et veille sur chacun. Take a watch on each of us. Say in the name of Jesus. Que tout démon chassé ne revienne plus. Let any demon cast it out. Qu'il n'attende personne sur le chemin. Wait no one on the way. Qu'il ne suive personne à la maison. Follow no one at home. Conduis-nous. Lead us. Dans la consécration. Into the consecration. Conduis chacun de nous. Lead each of us. Dans des prières de consécration. Into the prayers for consecration. Révèle à chacun de nous. Reveal to each of us. La portée éternelle de notre combat. The eternal side of our war. Donne à chacun de nous. Give up to each of us. La capacité de veiller. The ability to calm. Pour que les faux. To watch so that the false. Ne se cachent pas au milieu de nous. Do not hide themselves in our midst. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.